Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Bonjour Marie. Bonjour Fanny. Bonjour Pauline. Bonjour Karine. Bonjour Valérie. Bonjour Raphaël. Bonjour Léa. Super, que vous êtes toujours motivés, moi aussi. Bonjour Jérôme. Bonjour tout le monde. Trop bien que vous êtes là aujourd'hui. Moi, je préférais être dehors, hein, mais on fait ça qu'on peut, hein. Bien, aujourd'hui, je vous propose une séance basée sur l'Ashtanga Yoga, que c'est la méthode que je pratique. Mais ça va être une séance un peu plus complète, je peux dire, parce que je voudrais aujourd'hui travailler l'ouverture du haut du corps. On va travailler un peu les épaules, on va travailler le haut du corps, on va travailler un peu l'ouverture du bassin, on va travailler les bassins en flexion, en extension, en rotation, on va travailler la chaîne postérieure avec les flexions vers l'avant. Et on va travailler aussi un peu l'équilibre et la force du centre du corps. À la fin, on va travailler, on va faire un tout petit pranayama, qui est un exercice de respiration pour nous aider à relâcher et peut-être bien dormir. Et si vous êtes prêts pour commencer. Bonjour, je regarde juste pour voir si ça marche, si les sons, si vous m'entendez bien, parce qu'hier les sons ils étaient un peu bof. Si vous m'entendez bien, est-ce que quelqu'un peut juste m'envoyer un signe? Ouais, super, merci Caroline, merci. Merci les filles, juste pour être sûre. Si vous avez une toute petite ou une serviette proche de vous, ça peut être même un t-shirt, un gilet, parce qu'on peut utiliser ça comme un support pour certaines postures. Si vous avez quelque chose que vous pouvez utiliser proche, gardez ça proche de vous. Pour commencer, si vous avez un coussin, vous pouvez s'asseoir un peu sur un coussin, ou sinon, si vous êtes bien comme ça au tapis, on va juste commencer, on s'assoit confortablement. Gardez les dos droits. Et si vous êtes prêt, vous pouvez fermer les yeux. Essayez juste d'observer votre respiration. Sur le travail du yoga, c'est un travail très complet parce qu'on travaille les postures, les asanas, où on va travailler tout le corps. On travaille la respiration avec les pranayamas. On travaille la concentration. On travaille la méditation, on apprend à s'observer, à observer ce qui se passe avec notre corps. Et les gros objectifs, je peux dire, c'est apprendre à contrôler nos fluctuations, de contrôler les émotions, contrôler ça que se passe dedans. Essayez de calmer les choses. Et si on observe ça qui se passe avec nous, si on prend un peu d'espace, on peut choisir comment est-ce qu'on va réagir.
On peut choisir nos attitudes. Là, essayez juste d'observer votre respiration sans changer. Essayez juste d'observer. Observez la qualité de votre respiration. Et tout doucement, on va se mettre à quatre pattes sur la scie. On va essayer d'aligner les poignets avec les épaules. Vous pouvez poser les orteils comme ça en flexion, mais sur l'expire, on va pousser les bras tendus. On regarde vers les nombrils, on inspire. On soulève la tête, on regarde vers l'avant. On expire, on pousse, on regarde vers les nombrils. On inspire, on soulève, on regarde vers l'avant. Une autre fois, on expire, on pousse, on regarde vers les nombrils. On inspire, on soulève, on regarde vers l'avant. On expire, on pousse, on regarde vers les nombrils. On inspire, on regarde vers l'avant. Et doucement, on va pousser, on va soulever les bassins, c'est des bassins vers les plafonds. Si on peut, on va garder les jambes tendues, sinon on plie légèrement les jambes. On va essayer de garder les dos droits. On regarde vers les nombrils. Si on peut, les jambes tendues et les talons vers les tapis. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Doucement, on va marcher vers l'avant. On soulève la tête, on regarde vers l'avant. On expire, on laisse la tête relâcher. On essaie d'aller doucement vers les jambes. Si on ne peut pas toucher les tapis, on plie les jambes. Sinon, on garde les jambes tendues. On inspire, on va doucement vers les hauts. On soulève les bras, on regarde vers les pouces. On expire. Samasthiti. Une autre fois, yé, qu'on inspire, on soulève les bras, on regarde vers les pouces, doué, expire, on va doucement vers les tapis, on laisse la tête relâcher, trini, inspire, on soulève la tête, on regarde vers l'avant, chatvari, on va marcher vers l'arrière, on pose les mains sur les tapis, on trouve la planche, on va rester là, une respiration, on inspire, on expire. Et on va, première fois, on va poser les genoux et garder vos bras proches du corps. Et doucement, on va vers les tapis. On expire complètement. On inspire, on pousse. On ouvre la poitrine. On expire. On va pousser vers l'arrière, bassin vers les plafonds. On observe notre respiration. On inspire. On expire. On contracte légèrement les bas-ventres. On inspire. On expire. Et doucement, on inspire. On va marcher vers l'avant. On soulève la tête, on regarde vers l'avant. On expire. On va doucement vers les jambes. On inspire. On soulève les bras. On regarde vers les pouces. On expire. Samasthiti. Une autre fois, on inspire, on soulève les bras. On expire, on va doucement vers les tapis. On laisse la tête relâchée. Inspire. On soulève la tête, on regarde vers l'avant. On expire, on pose les mains sur les tapis. On marche vers l'arrière. On trouve la planche. On va rester une respiration là, on inspire. On expire. Et cette fois, on va poser les genoux. On va soulever les bras droits et la jambe gauche. On soulève les bras droits, la jambe gauche. Essayez de garder la jambe
bien contracté, les bras, il est bien tendu. On va créer un engagement dans les centres de corps. On expire, on pose les genoux, on pose la main et là, on va soulever les bras gauche, la jambe droite, la jambe bien tendue, les bras bien tendus. On essaye d'aller chercher loin vers l'avant et loin vers l'arrière. On essaye de chercher longueur, les centres de corps bien engagés. On contracte légèrement les bas-ventres. Et là, on expire. Doucement, on va poser les mains. On va pousser vers l'arrière. Chien tête en bas, bassin vers les plafonds. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On inspire, on va marcher vers l'avant. On soulève la tête, on regarde vers l'avant. On expire, on laisse la tête relâcher. On inspire, on soulève les bras. On regarde vers les pouces. On expire. Samasthiti. Une autre fois, on inspire. On soulève les bras, on regarde vers les pouces. Doué. Expire, on va doucement vers les tapis. On laisse la tête relâcher. Inspire, on soulève la tête, on regarde vers l'avant. On expire, on pose les mains sur les tapis. On marche vers l'arrière. On va trouver la planche une autre fois. Et cette fois, on va essayer d'aller doucement vers les tapis, mais avec les jambes tendues. Et on va garder les coudes proches du corps. So, essayez de ne pas laisser vos bras s'écarter. So, on garde les coudes proches du corps. On expire, on va doucement vers les tapis. Inspire, on pousse, on ouvre la poitrine. Expire, on pousse vers l'arrière. Bassin vers les plafonds, on inspire. On expire. Inspire. Expire. So, essayez d'observer votre corps. Observez vos sensations. Observez votre respiration. On inspire, on va soulever la jambe droite. On soulève et on va essayer d'avancer la jambe droite entre les deux pieds. On inspire, on va plier la jambe droite. On soulève les bras. Et là, vous pouvez garder ou les bras tendus vers les hauts ou vous pouvez essayer de joindre vos mains, si vous pouvez. Si vos épaules, elles vous permettent, vous pouvez essayer de joindre les mains. So, essayez toujours de respecter votre corps. On ne veut pas se faire mal. On est là pour bouger et pour se faire du bien. On expire. On va doucement vers les tapis. On pose les mains, les jambes vers l'arrière. Et là, on rentre une autre fois sur les chiens tête en bas. On pousse vers l'arrière. Les bassins vers les plafonds. Et cette fois, on va soulever la jambe gauche. On soulève, on inspire. On expire. Et on va essayer d'avancer la jambe gauche entre les deux mains. On avance la jambe, on plie la jambe, on soulève les bras. Et là, on peut écarter les bras tendus, on regarde vers l'avant. Si on peut, on va joindre les mains. On inspire. On expire. Essayez de bien plier la jambe gauche, essayez d'avancer. Inspire. Expire doucement. On pose les mains sur les tapis. La jambe vers l'arrière. On pousse vers l'arrière une autre fois. Les chiens tête en bas. On regarde vers les nombrils. On inspire. On marche vers l'avant. On soulève la tête. On regarde vers l'avant. On expire. On laisse la tête relâcher. On inspire. On soulève les bras, on regarde vers les pouces, on expire. Samasthiti. Une autre fois, on inspire,
On soulève les bras, on expire, on va doucement vers le tapis, on laisse la tête relâchée. Inspire, on soulève la tête, on expire, on pose les mains, et là on marche vers l'arrière, on trouve la planche une autre fois, on garde les jambes tendues, on va doucement vers le tapis, expirer complètement. Inspire, on ouvre la poitrine, et expire. On pousse vers l'arrière. Chignon à ton bas, on inspire. On expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on inspire, on marche, on fait un tout petit saut vers l'avant, on soulève la tête, on regarde vers l'avant, on expire, on laisse la tête relâchée, on inspire, on soulève les bras, on regarde vers les pouces, on expire. Ça m'a suffi. On va faire un tout petit saut et on va essayer d'aligner les pieds avec les bassins et sur l'expire, on va plier à partir du bassin. Et là, si vous pouvez, si vous arrivez au pied, essayez de crocheter vos gros orteils. Si vous n'arrivez pas au pied, essayez de plier légèrement vos jambes et aller crocheter les gros orteils. Si vous pouvez vous garder les jambes tendues, essayez de relâcher les dos. Essayez de relâcher les coudes. Sur l'inspire, on va créer espace dans la colonne. Et sur l'expire, essayez de relâcher, de rapprocher votre corps de vos jambes. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et sur l'inspire, on va soulever la tête. On regarde vers l'avant, on expire. On va doucement retourner. On expire. Ça m'a suffi. Une autre fois, on va ouvrir la jambe droite. On écarte les bras. On a les deux pieds parallèles. Et là, on va tourner les pieds droits vers la droite, les gauches légèrement vers l'intérieur. Et sur l'expire, on va basculer les bassins doucement vers la gauche et on va essayer d'aller vers la jambe droite. Et là, on va voir où est-ce qu'on peut arriver. Où on va s'arrêter là, sur le tibia. Si on peut, on va essayer d'aller jusqu'au pied et crocheter les gros orteils. Et là, on regarde, si possible, vers la main gauche. Sinon, on regarde vers l'avant. Si on ne peut pas arriver au pied, ce n'est pas grave. On reste là. Et on se concentre sur notre respiration. On inspire. On expire. Et sur l'inspire, on va pousser avec les pieds. On tourne vers la gauche. On bascule les bassins légèrement vers la droite. Les pieds gauche vers la gauche. Les droites légèrement vers l'intérieur. On expire. On va doucement vers la jambe gauche. Et là, la même chose. Où on peut laisser la main là sur les tibias. Si on arrive aux gros orteils, on crochète les gros orteils. Et là, si possible, on regarde vers la main droite. On inspire. On expire. On observe notre respiration. On observe notre corps. Nos sensations. Et sur l'inspire, essayez de pousser avec vos jambes. On va doucement, on va retourner. Et on expire, on va joindre les jambes. Ça m'a suffi. Une autre fois, on va écarter les jambes sur l'inspire. On ouvre la jambe droite. On écarte les jambes. Et cette fois, on va essayer de poser les mains sur les bassins. On pose les mains. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire. Et là, on inspire, on écarte les bras et on va voir si on peut joindre les mains en arrière, en prière, comme ça. On va voir si on peut faire ça.
Si on ne peut pas faire ça, on peut essayer d'aller chercher les épaules. Mais on peut essayer de voir si on peut joindre les mains en prière. Si on peut, on va joindre les mains comme ça. Pour joindre les mains comme ça, on peut faire comme ça. On peut joindre les mains là. Et une fois qu'on a les contacts avec les doigts, on peut essayer de tourner. Si ça va, on garde les jambes écartées, on a les mains en prière, on va expirer et on va essayer d'aller doucement vers l'avant. Cela, ça va demander légèrement un peu d'équilibre. On va voir si on peut aller doucement vers l'avant. Et si on peut, on va pencher la tête vers les tapis. On va penser à cette action. Tête vers les tapis. Tête vers les tapis. Et si on peut, on va basculer les bassins légèrement vers l'avant. On va chercher les limites de notre équilibre. Et si on peut, on va poser la tête sur les tapis, les sommets de la tête. Si on ne peut pas, on reste avec cette action. Se penser à basculer votre poids légèrement vers l'avant. Il y a un moment que vous allez sentir que c'est comme si vous commencez à perdre l'équilibre. Et c'est là qu'on s'arrête avant de tomber. Mais on va chercher les limites. Essayez d'aller chercher votre limite. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Sous l'inspire doucement. On va retourner. On expire. Et cette fois, si vous avez une petite serviette, on va essayer de garder un tout petit espace. On peut garder, par exemple, comme un main d'espace entre les deux mains, comme ça. Vous essayez de, ou un peu plus facile, ça va être un peu plus écarté. Cela, vous pouvez choisir. Vous pouvez commencer peut-être un peu plus écarté, comme ça. Les épaules, on va penser épaules vers l'avant. On va une rotation des épaules vers l'avant. On inspire et sur l'expire, on va une autre fois avancer le corps. Et cette fois, ce qu'on va essayer, c'est d'avancer les bras vers les tapis. On va essayer de relâcher. On va essayer de relâcher vos épaules. Et à chaque expire, on va essayer d'avancer. On inspire, on expire. Inspire. Expire. Soit chaque expire, essayez de voir si vous pouvez avancer votre tête et si vous pouvez avancer vos bras. Inspire. Expire. Inspire. Expirez sur l'inspire doucement. On va retourner. Et cette fois, on va voir si on peut faire ces mouvements sans la serviette, si on peut essayer d'entrelacer les doigts comme ça. Et les mêmes mouvements de rotation des épaules vers l'avant. On va essayer d'entrelacer les doigts. On inspire, on ouvre la poitrine. Et sur l'expire doucement, on va vers les tapis. Essayez de relâcher vos épaules. On relâche le haut du corps. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Soit essayez de relâcher vos épaules. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et sur l'inspire, on va retourner doucement. Et on expire. Samasthiti. On inspire une autre fois. On écarte la jambe droite. Et là, on va tourner vers la droite. On tourne vers la droite. On tourne les bassins vers la droite. Et on va essayer, main gauche, elle va. Essayez d'aller chercher la main droite vers l'arrière. Sur la main droite, on va essayer de plier les bras
et on va voir si on peut faire les gauches aller chercher les droits. Si on ne peut pas, on utilise notre support pour nous aider. On va essayer, si on peut faire les liens, on inspire, on regarde vers l'avant et sur l'expire, on va essayer d'aller doucement vers la jambe droite. On inspire, on expire, inspire, expire, inspire, expire. Et sur l'inspire doucement, on va retourner, on tourne vers la gauche. Et là, on va changer. Là, on va voir si la main droite, si elle peut aller chercher la gauche. On essaye de faire les liens. On inspire, on regarde vers l'avant. Et on expire, on va doucement vers la jambe gauche. Inspire. Expire. So, essayez de relâcher les bas du dos. Essayez de relâcher arrière la jambe gauche. Mais on contracte légèrement la jambe droite. On pousse avec les pieds droits. Et on contracte légèrement les quadriceps de la jambe gauche. So, on pousse avec les deux pieds. Les deux pieds, ils sont bien, bien ancrés. Et on observe notre corps, notre respiration. On inspire, on pousse avec les pieds. On va retourner doucement. On écarte les bras et on expire. Ça va s'utiliser. Là, c'est très bien ce travail-là pour assouplir les épaules. Ici, vous sentez qu'au niveau du haut du corps, vous êtes très bloqué. C'est comme ça avec la majorité des gens. So, essayez de doucement pratiquer ces postures parce que ça peut vous aider à assouplir les épaules. On va essayer une posture là, ça va demander un peu d'équilibre. Uchita Ashta Padangusthasana. On va soulever la jambe droite. On va voir si on peut trouver l'équilibre comme ça. Si ça va, on va essayer d'aller crocheter les gros orteils. On va essayer d'aller crocheter les gros orteils. Sinon, on peut rester là. Et si on crochette les gros orteils, ça qu'on va essayer, c'est de garder l'équilibre et voir si on peut avoir la jambe légèrement tendue. Juste légèrement. Si ça va légèrement tendu, on peut essayer la jambe tendue. Sinon, on garde légèrement tendue. Et on va essayer juste de trouver l'équilibre là. Si vous trouvez l'équilibre, vous pouvez essayer d'ouvrir la jambe vers la droite. Et la même chose, on va juste essayer de trouver l'équilibre. Et si vous trouvez l'équilibre, regardez vers la gauche. Si ce n'est pas possible, vous pouvez garder la jambe comme ça. Vous avez les genoux. Et là, on ouvre la jambe et on regarde vers la gauche. Et doucement, on va retourner la jambe. Et on va poser la jambe. On va essayer la même chose avec la jambe gauche. On soulève la jambe. Et là, essayez de voir si vous pouvez trouver l'équilibre. Si on peut, on va crocheter les gros orteils. Et là, ou la jambe tendue, ou légèrement tendue. Si vous pouvez, essayez la jambe légèrement tendue ou la jambe tendue. Et si vous pouvez, essayer d'ouvrir la jambe vers la gauche. Essayez juste de voir si c'est possible. Et si possible, on va regarder vers la droite. On essaye de trouver l'équilibre. On inspire, on expire et doucement, on va retourner la jambe, doucement, on expire. On va essayer la jambe droite, on va voir si on peut poser comme ça. Là, c'est la posture de l'arbre. Si ça va comme ça, essayez de pousser les talons contre la cuisse. Les talons, si vous pouvez, les plus haut possible. Si ce n'est pas possible très haut, gardez les talons là, plus proche du genou. Là, ils calent bien, là, juste au-dessous du genou. Sinon,
garder les talons bien proches de bassin. Et si on peut, on soulève les bras. Et si on peut, on va regarder vers les plafonds. Là, le difficile, c'est de changer le regard. Si on essaye de regarder vers les plafonds. Et si on peut regarder vers les plafonds, on va essayer d'aller doucement vers les tapis. Et là, on peut plier légèrement la jambe gauche pour nous aider avec l'équilibre. Et si on peut, on va poser les mains sur les tapis. On relâche la tête. Là, on inspire, on soulève la tête. On expire. Et doucement, on va retourner. Et ça va suffire. Et là, on va essayer avec la jambe gauche, la même chose. Où on pose la jambe comme ça, ou si on peut, on pose les talons proches du bassin, on inspire, on soulève les bras. Et là, si on est bien, on peut essayer de regarder vers les plafonds. Si vous avez l'équilibre, on va essayer d'aller doucement vers les tapis. Là, on peut plier légèrement la jambe droite, on va vers les tapis. Et si on peut, on va relâcher la tête. Si on a besoin, on garde la jambe pliée. Tu essayes de trouver l'équilibre. On inspire, on soulève la tête. On expire et doucement, on plie légèrement la jambe droite. On trouve l'équilibre. On va retourner, on expire. Ça m'a suffi. Trop bien. On va essayez une autre fois, on inspire, on soulève les bras, on expire, on va vers les tapis, on laisse la tête relâchée, inspire, on soulève la tête, on expire, on marche vers l'arrière, on trouve la planche, et là on va une autre fois, on prend, inspire, on expire, inspire. Et expire. Et doucement, on va avancer la jambe droite. On avance la jambe droite. Et là, on va bien plier la jambe droite. Essayez de bien plier et d'aller trouver un angle de 90 degrés. Et on va écarter les bras. On écarte les bras et on va regarder loin vers la droite. On plie la jambe. On contracte les bas-ventres. On regarde loin vers la droite. On inspire, on expire et on va tourner vers la gauche. Et là, la même chose, on plie la jambe gauche, on va trouver un angle de 90, on sent les bassins qui s'ouvrent, on écarte les bras, on regarde loin vers la gauche. On inspire, on expire, inspire. Expire. Et là, on va tourner les pieds. On va poser les pieds comme ça en flexion les orteils. Et on va poser les genoux droits. Et on va avancer les bassins. Si on avance, on avance, on avance les bassins. On va soulever les bras. Et là, on va laisser les bassins s'ouvrir. On sent les bassins s'ouvrir doucement. On regarde vers les plafonds, on inspire, on expire, inspire, expire. Et sur l'inspire, on va pousser avec les pieds, on monte, on tourne vers la droite et on va poser les genoux gauches. On avance avec les genoux droits, si ça va. Pour les genoux, si vous sentez que ça fait pas mal, on inspire. On soulève les bras, on regarde vers les plafonds. On se concentre sur notre respiration. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Et doucement, on va poser les mains sur les tapis. On trouve la planche une autre fois. Et là, ça qu'on va essayer, c'est de faire un tout petit saut vers l'avant. On va voir si on peut sauter entre les mains. On va voir si on peut sauter et les jambes. On va essayer, les moments qu'on saute, de croiser
les jambes. J'essaie de croiser les jambes et de sauter entre mes mains. Et si on peut, les jambes tendues. On va voir si on peut sauter comme ça. L'idée, c'est de ne pas laisser les moments du saut. On peut réessayer. Pas laisser les bassins tomber vers l'arrière. Donc, pensez que vos mains, elles restent collées au tapis. Ce mouvement de saut, il a plusieurs étapes. Et ça, c'est une étape qui est très importante parce que ça va nous apprendre à contrôler les centres du corps. L'idée, là, dans ces sauts, c'est d'essayer d'aller contrôler ces sauts avec les centres du corps. On essaye de vraiment se concentrer sur les centres. Le moment que je saute, c'est comme si j'essaye de faire un tout petit inspire, une contraction. Je croise mes jambes et j'essaye de poser mes pieds sans trop d'impact. Une autre fois, on essaye, on inspire, je croise mes jambes et je pose mes pieds. Et si je peux, je passe mes jambes vers l'avant. Si ce n'est pas possible, les mouvements comme ça, essayez de faire glisser vos pieds. Les moments que vous arrivez là, essayez là de ne pas faire ça, pas tomber vers l'arrière. Essayez de garder bien vos mains sur les tapis. On saute et là, essayez de glisser doucement les pieds et les jambes tendues. Essayez de voir si ces mouvements, il est accessible. Là, les jambes tendues, Paschimottanasana. Là, si vous avez une petite serviette, vous pouvez utiliser. On inspire, on allonge la colonne et on expire. On va doucement vers les jambes. Si vous arrivez aux pieds, vous pouvez utiliser ou les mains comme ça. On va crocheter les gros orteils. Ou on peut utiliser les mains comme ça. On inspire, on allonge la colonne et on expire. On va doucement vers les jambes. Essayez de bien relâcher les bas du dos. Sur l'inspire, essayez de créer longueur dans votre colonne. Et sur l'expire, essayez de relâcher et aller vers les jambes. On inspire, on expire. Inspire, expire, inspire, expire. Sur l'inspire, on soulève la tête, on expire. Et là, on va essayer de croiser les jambes, les mouvements inverses qu'on a fait de sauter vers l'avant, on va sauter vers l'arrière, on va essayer genoux contre la poitrine, on pose les mains sur les tapis. Et là, si on peut, on va sauter vers l'arrière. Et les moments que je saute, j'essaie de, au même temps de plier mes bras. C'est comme si je veux amortir les sauts avec mes bras. Là, on essaye. On pose les mains devant les bassins, je saute et je plie mes bras et je veux amortir mon saut. Et là, on peut aller vers les tapis. On inspire, on pousse, on ouvre la poitrine, on expire. Chien tête en bas, on pousse vers l'arrière. Et là, une autre fois, on va sauter vers l'avant, on inspire, on saute vers l'avant. Les jambes tendues. Les jambes tendues, on va essayer de plier la jambe droite. Comme ça, Jano Shirshasana. On tourne le corps vers la jambe gauche. Et là, si ça va, on essaye d'aller doucement vers la jambe droite. Si on a besoin, on peut utiliser, par exemple, quelque chose pour nous aider à aller vers la jambe. Si on arrive à toucher les pieds, on va essayer d'utiliser notre main pour créer longueur dans la colonne. Si on inspire, on allonge la colonne et sur l'expire, on relâche. On va doucement vers la jambe. On inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Et doucement, on va changer. Ce sera la jambe gauche tendue. On tourne vers la droite. Et si on peut, j'ai dit la gauche tendue, non, c'est la droite tendue. Et doucement, la même chose. Si on a besoin, on utilise la serviette. Sinon, si on peut attraper les pieds, on va attraper les pieds. On peut essayer d'entrelacer les doigts ou on va essayer d'aller chercher les poignets. On expire, on va doucement vers la jambe droite. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et sur l'inspire, on va soulever la tête. Et une autre fois, on va faire notre saut. Si on croise les jambes, genoux, contre la poitrine. Je pensais que ces mouvements-là, ils partent. Voilà, du centre du corps. On pose les mains sur le tapis. Et là, si on peut, on saute une autre fois et on plie les bras, chaturanga. On inspire, on ouvre la poitrine. Chien tête en bas. On expire, on pousse vers l'arrière. Et on inspire. Une autre fois, on va sauter vers l'avant. On essaye de garder les genoux proches du corps. Les jambes tendues. On expire. Et doucement, on va essayer là de joindre les pieds comme ça en Baddha Konasana. Et on va essayer de voir si on peut laisser les genoux aller doucement vers les tapis. Et si vous pouvez, essayez de garder les pieds comme ça, d'ouvrir les pieds comme un livre. Si on ouvre les pieds comme ça. Et si on peut, on va essayer de laisser les genoux aller doucement vers les tapis. Si vous pouvez essayer de juste avancer légèrement, un tout petit peu, votre corps. Si on peut, on avance doucement. On garde les pieds ouverts. Et si on peut, on laisse les genoux aller doucement vers les tapis. On peut poser aussi les mains, si vous voulez, légèrement vers l'avant. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et tous, on inspire, on va retourner. On va voir si on peut faire la posture qu'on appelle les malasana. C'est comme si on fait un squat. On est accroupi et on va garder les pieds vers l'extérieur. Se tourner légèrement vers l'extérieur. On va voir si on peut poser les talons. Si on ne peut pas poser les talons, ça qu'on peut faire quelquefois, c'est d'avoir des supports. Ça peut même être, par exemple, une serviette, quelque chose qui nous soulève, ou des coussins, quelque chose qui soulève les talons et qu'on puisse appuyer. Parce que l'idée, c'est qu'on laisse les bassins aller vers les bas. Et c'est ce travail qui va nous aider à ouvrir les bassins. Essayez juste de voir si vous pouvez rester dans cette posture, si c'est accessible pour vous. Si ce n'est pas accessible et vous êtes comme ça là sur le talon, vous pouvez rester aussi comme ça. Mais si vous pouvez appuyer les talons sur quelque chose, là ça va être encore mieux parce que là vous allez pouvoir. Alors, on inspire, on expire. Et si vous pouvez. Essayez de joindre les mains en prière et de presser, c'est comme si on presse les cuisses vers l'extérieur et presser les cuisses contre vos bras. Essayez de créer une résistance.
Inspire. Et expire. Et là, on va essayer de voir si on peut, avec la main droite, la main, elle va rentrer là. Et on va essayer de voir si on peut aller chercher la main gauche. On va essayer de voir si on peut aller chercher la main gauche. Et la même chose, on va essayer l'autre côté. On va voir si on peut, la main gauche peut aller chercher la droite. Et on regarde vers la droite. Et doucement, on va retourner. Et là, si on peut, ça qu'on va essayer, c'est de pousser avec les jambes et il monte et son pouce. Et on monte. Et une autre fois, on va essayer d'aller vers les tapis. On va doucement. On va essayer d'accroupir. On pousse, on monte. Et on expire. On va s'accroupir. Et on inspire. Doucement, on monte. Une autre fois, on expire. Et on inspire. On expire. Et doucement, on va s'asseoir. On va essayer, si on peut, la posture du corbeau. C'est les bakasana. Ça peut peut-être être accessible pour certaines personnes, ça peut être très très difficile pour des autres. On va voir si on peut rentrer dans la posture. Et ça peut peut-être trop forcer sur les poignets, sur aller vraiment doucement. Ça va demander des forces dans les hauts de corps, mais on peut essayer. Si vous avez des coussins, vous pouvez prendre juste pour mettre proche de vous, juste pour vous aider si vous avez peur de tomber vers l'avant. Mais ou si vous avez quelqu'un qui vous pouvez faire la posture ensemble, on peut essayer. Si on peut rentrer dans la posture, si on peut rentrer dans Balasana, dans cette posture qu'on était, ça va nous aider. Ce qu'on va essayer, c'est comme on a posé les bras tout au début, qu'on a aligné poignet avec les épaules. Et c'est les mêmes alignements quand on fait les sauts, qu'on garde la poignée alignée avec les épaules. On va garder aussi les mains comme ça. Et on va garder un peu la même idée de saut, de se concentrer sur le centre à nous, aller trouver l'équilibre dans la posture. Sur la posture, c'est ça qu'on essaie. D'abord, c'est de s'accroupir. Peut-être si on n'est pas trop, si on est sur la pointe de pied, on peut rester parce qu'on va passer à la pointe de pied. On pose les mains. Essayez tout d'abord de bien aligner les poignets avec les épaules. Une fois que c'est bien aligné, les bras ils sont tendus, on a cette distance-là. Là, on va passer à la pointe des pieds. On passe à la pointe des pieds. Et là, essayez juste tout d'abord de faire ces mouvements-là, vers l'avant, vers l'arrière. Cela, on va préparer un peu les poignets, vers l'avant, vers l'arrière. Essayez de vraiment avancer. Et expire. Et cette fois, essayez d'avancer bien, bien, bien. On avance, on avance, on avance. Et expire. On avance, on avance. Et là, pliez légèrement vos coudes. Et expire une autre fois. On avance, on avance, on avance, on avance. Et expire. Comme si on voudrait aller poser la tête sur les tapis. Une autre fois. On avance, on avance, on avance, on avance. On expire. Cette fois, on va pousser et on va essayer d'aller rapprocher les genoux les plus haut possible. On essaie de rapprocher les genoux des épaules, si on peut. On rapproche. Et l'idée, c'est comme si les genoux, ils vont faire ces mouvements-là, un mouvement de, ils vont presser mes épaules. Les genoux, ils vont presser mes épaules. Là, on va essayer de poser les genoux proches des épaules, ils pressent là mes épaules. Et ça que je vais essayer, c'est les mêmes mouvements d'avancer. J'avance, 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 j'avance. Et il y a un moment,
que je peux soulever les pieds. Et je soulève mes pieds. Et doucement, on peut retourner. Cela, vous pouvez essayer. Si vous pouvez trouver l'équilibre là, le secret, c'est d'avancer le corps et de garder l'engagement là du centre du corps. Et si vous pouvez rentrer dans la posture, essayez, là on avait les bras pliés. Et si vous pouvez faire avec les bras pliés, essayez d'étendre les bras. Là, ça va être beaucoup plus difficile, mais si vous arrivez là, vous pouvez essayer avec les bras tendus. Là, ça veut dire, d'abord, on va rentrer dans la même façon qu'on a rentré. Si on pose les genoux proches des épaules, on presse les épaules. On va avancer les corps, on avance. Si on peut, on va soulever les pieds. Et si on peut, on va essayer d'étendre les bras, sur les bras tendus. Cela, ça va demander plus de force dans les hauts du corps, mais c'est possible. Cela, c'est quelque chose que vous pouvez, de temps en temps, essayer Bakasana, si ça va pour vos poignets. Si vous trouvez que ça fait, c'est trop pour les poignets, essayez de bouger les poignets comme ça, vers l'intérieur, vers l'extérieur, et pas trop forcer, mais les sauts, ils peuvent vraiment nous aider dans Bakasana. C'est là, doucement, on va se allonger. On s'allonge doucement. On va rouler les poignets vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et si on inspire, on va soulever les jambes et on va voir si on peut aller avec les jambes vers l'arrière. Si on peut, les pieds, on va essayer de garder les pieds en pointe. Si ce n'est pas possible, on pointe les pieds comme ça. L'idée, c'est de garder les jambes tendues, si possible. Si vous trouvez que ça va pour votre cervical. Et là, on va utiliser les mains pour supporter les bas du dos. Et si vous êtes, si ça va, comme ça, vous pouvez essayer d'entrelacer les doigts, juste si ça va. Soit essayez de bien relâcher la cervicale. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et doucement, on va poser les mains sur les bas de dos et là, on va essayer de retourner doucement. Doucement, on va retourner les jambes. Et là, si vous pouvez, là où on va essayer, ou avec les jambes pliées, ou avec les jambes tendues, vous pouvez choisir. Peut-être on peut essayer plier, peut-être ça va être un peu plus facile. On va poser les coudes sur les tapis et on va voir si on peut poser les sommets de la tête sur les tapis. Et là, vous pouvez regarder les jambes pliées ou les jambes tendues. Si ça va, si ça ne va pas pour votre cou, forcez pas, mais si ça va, on va essayer. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Et doucement, on va retourner, on allonge. Et là, on prend, on inspire. Et on expire. Inspire. Expire. Et doucement, on va tourner vers la droite. Et doucement, on va s'asseoir. Là, où on va garder les jambes croisées, comme ça. Là, si vous avez l'habitude, aujourd'hui, on ne va pas voir ça comme rentrer en Padmasana, mais si vous avez l'habitude, vous pouvez rentrer en Padmasana, juste si vous avez l'habitude, sinon, juste jambes croisées. Et là, sur l'expire, on va essayer d'avancer doucement vers les tapis. Vous pouvez poser les fronts si ça va, sinon, vous pouvez rester juste là. Et essayer de relâcher, relâcher. Les coups, relâche les dos.
Inspire. On expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Sur l'inspire, on va doucement va retourner là. On va poser les mains comme ça. On mudra les dos droit, menton vers la poitrine. On regarde vers les bouts du nez. Ou on peut fermer les yeux. On se concentre sur notre respiration. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on va essayer de poser les mains devant les bassins. So, si on est en Padmasana, on va se soulever. Si on a les jambes croisées, on va soulever comme ça, qui est les bassins. Ou si on peut, on soulève les bassins et on soulève les jambes. C'est uti pluti. So, on va essayer, on pose les mains. On inspire, on soulève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On expire. Et si on est en Padmasana, on reste en Padmasana. Si on a avec les jambes croisées, on reste avec les jambes croisées. Essayez juste de bien allonger votre colonne. Et là, on va essayer un petit exercice de respiration avant notre relaxation. Ça s'appelle Nadis Shodhana. C'est la respiration alternée. Et c'est une respiration, c'est un exercice qui peut nous aider à nous calmer. C'est l'idée, c'est on va utiliser les pouces et les index comme ça. Les pouces pour bloquer la narine droite, l'index pour bloquer la gauche. Moi, je vais essayer de vous guider. On va expirer gauche, inspire droite, expire droite, expire gauche, inspire gauche, expire droite, inspire droite, expire gauche, inspire gauche, expire droite. Moi, je vais essayer de vous guider. On commence. On va juste respirer normalement. On va commencer en expirant par la gauche. On inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite et expire gauche. Inspire gauche et expire droite. Inspire droite et expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite.
Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Et là, gardez les yeux fermés et doucement, on va s'allonger. So, essayez de s'allonger doucement. Gardez les yeux fermés. Cette respiration, Nadi Shodhana, elle aide à calmer nos deux nadis principaux. Et les nadis sont comme deux. On peut dire qu'ils sont des canaux d'énergie. Elles nous aident à équilibrer ces deux canaux qui s'appellent Ida et Pingala. Et vous pouvez pratiquer cette respiration les matins, les soirs, ça n'importe. Si vous avez besoin un peu de s'équilibrer, de se calmer, de se recentrer, ça peut vous aider. Là, essayez de bien relâcher vos orteils, vos doigts. Et lâchez votre corps complètement. Et lâchez votre visage, les fronts, la langue. Et pensez toujours que votre pratique de yoga, elle est là pour vous supporter. C'est votre pratique. Et ça que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est ça qui est important. Et plus qu'on pratique, plus on va être à l'aise avec notre corps, nos sensations, notre respiration. Plus qu'on pratique, plus on va développer cette conscience, cette awareness, ce qui se passe avec nous. Et plus qu'on pratique, plus on va apprendre à s'observer. Doucement, commencez à bouger les orteils, les doigts. On roule doucement vers la droite. Doucement, on va s'asseoir. Prenez, pardon, gardez vos yeux fermés. On va s'asseoir doucement. Et prenez juste un tout petit moment pour observer vos sensations dans vous. Merci beaucoup. Namasté. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci beaucoup d'être là.
avec moi encore une fois. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un message. Et comme ça, après, je peux peut-être vous répondre une prochaine fois. Et merci beaucoup. Merci, Fanny. Merci beaucoup. Merci Natacha, merci beaucoup. Merci Jérôme, merci Geoffrey, merci Clarinette, merci Valérie, merci Karine. Oh super Karine, super. Oui, c'est ça, c'est. Pratiquer, pratiquer, ça vient. Merci Alex, merci Léa, merci Bénédicte, merci, merci Marie. Wow, super. Ouais, super Marie, c'est super. Merci Pauline, merci beaucoup, merci Alex. Ah, les buts de la respiration gauche, pas. Plus droite. C'est les buts d'alterner la respiration. Cette respiration, elle s'appelle Nadi Shodhan, qui ça veut dire c'est l'altération de alternation, pardon, de Nadi, qui sont de, les nadis sont les deux sont des channels, des canaux d'énergie. Et on a deux qui sont les deux principales, un qui est à droite, un qui est à gauche, Ida et Pingala, et on alterne. L'idée, c'est d'équilibrer les énergies. C'est un travail pour équilibrer les énergies. Et c'est une respiration qui nous aide à nous calmer. Et moi, j'ai appris à commencer toujours par la gauche et finir après par la droite. Je sais pas si la question, c'était pourquoi on commence par la gauche ou si c'était juste le but de cette respiration. Mais le but de cette respiration, c'est de nous calmer. Comme tous les pranayamas, la grande majorité, c'est pour calmer. Et celui-là, c'est pour équilibrer les nadis. Merci, Fanny. Merci, Karine. Super. Merci beaucoup. Et un très bon dimanche demain. Profitez bien. Prenez soin de vous. Gros bisous.